Bonjour, je reviens aujourd'hui sur le problème de couverture par sommet et on va s'intéresser à l'écriture de son dual en programmation linéaire, ce qui va nous mener au problème de couplage maximum. Alors c'est une vidéo qui s'inscrit dans le cadre du cours de Nadia, mais qui est aussi à l'intention de nos étudiants en apprentissage qui font leur étude de cas, et aussi naturellement de quiconque s'intéresse à la recherche opérationnelle. Alors je reviens d'abord sur une petite question que j'avais laissée en suspens dans la vidéo précédente de cette série. Il s'agissait de donner une couverture minimale de G par sommet et de prouver son optimalité de façon élégante. Un G étant le petit graphe qu'on peut voir à l'écran ici. Alors quand on cherche une couverture à la main, on trouve rapidement une couverture de cardinalité 3. Par exemple, ces trois sommets-là, 2, 4 et 6. On peut vérifier la faisabilité de cette couverture en vérifiant que chaque arête de ce graphe est bien incidente à l'un au moins de ces sommets. Alors, comme on a une solution réalisable pour un problème de minimisation, eh bien on a une borne supérieure, qui vaut 3. La valeur optimale ne peut donc valoir que 3 ou moins. Alors, comme le graphe est tout petit, on se rend vite compte qu'on ne peut pas faire mieux. Mais ce qu'on cherche, évidemment, c'est une preuve élégante, c'est-à-dire les arguments logiques qu'on va pouvoir réutiliser de façon générale. Ici, je vous propose de considérer simplement un ensemble d'arêtes qui ne partagent pas de sommet. Par exemple, ces trois arêtes-là. Toute couverture de ce graphe doit contenir entre autres ces trois arêtes. Et ces trois arêtes étant disjointes, eh bien, il va falloir couvrir l'une des extrémités de chacune de ces arêtes. C'est-à-dire, il va falloir que toute couverture contienne au moins trois sommets. C'est ce que j'ai résumé ici à l'écran. Et ça nous indique qu'on a une borne inférieure du problème et que toute couverture a une cardinalité d'au moins 3. En fait, ces trois arêtes constitue ce qu'on appelle un certificat d'optimalité. Exhiber ces trois arêtes suffit à prouver que toute solution vaut au moins 3, et donc, pour notre exemple, qu'on a une valeur optimale qui vaut 3. Si vous voulez revenir sur cette notion de certificat d'optimalité, je l'aborde de façon plus générale dans le cadre de la programmation linéaire dans cette vidéo. Alors, ces trois arêtes disjointes constituent en fait ce qu'on appelle un couplage de G, de cardinalité 3. Et ce qu'on peut apprendre ici à travers cet exemple, c'est que la cardinalité de tout couplage est une borne inférieure de la cardinalité de toute couverture. Ce résultat-là, on va maintenant essayer de le retrouver en passant par la programmation linéaire. Voilà, c'est le but de la vidéo et ça va aussi nous entraîner à écrire le dual. Alors, je reprends le programme linéaire du problème de couverture par sommet qu'on avait déjà abordé dans la vidéo précédente. On avait une variable xi pour chaque sommet i qui vaut 1 si i est dans la couverture et 0 sinon. On cherche à minimiser le nombre de sommets et on a une contrainte pour chaque arête du graphe qui nous dit qu'il faut que l'arête soit couverte, donc il faut qu'on ait au moins une de ses extrémités dans la couverture. On va écrire ce modèle pour notre petit exemple, ce qui va nous permettre d'écrire le dual et de l'interpréter. Alors, l'objectif est la somme des xi. Et puis ensuite, j'ai une contrainte par arête, par exemple pour l'arête 1, 2. Donc je vais avoir x1 plus x2 supérieur ou égal à 1. Et puis pour l'arête 2, 3, pareil, x2 plus x3 supérieur ou égal à 1. Si j'écris l'ensemble des contraintes, je vais obtenir le programme linéaire suivant. Alors je peux ajouter les domaines. Alors ici, xi est dans 0, 1, mais je vais considérer la relaxation linéaire. Je vais considérer simplement des xi supérieur à 0 et xi inférieur à 1. Donc je vais autoriser xi à prendre potentiellement des valeurs fractionnaires. Ça, c'est la relaxation linéaire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai noté ZRL ici et pas Z qui fait référence à la valeur objective du problème en nombre entier. Alors, sur ce programme linéaire, je peux aussi visualiser la solution que j'avais en orange. Parce que comme ça, je me rends compte en un clin d'œil que toutes les arêtes sont bien couvertes. Toutes les lignes ici contiennent bien un cercle orange. Alors, ça, c'est mon problème de couverture par sommet. Et dans le cadre de cette vidéo, c'est ce que j'appelle le problème primal. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est qu'on va écrire le dual. Simplement, avant d'écrire le dual, il y a une remarque importante que je veux faire et donc je vous demande un peu d'attention. En réalité, toutes les solutions optimales de ce problème respectent cette contrainte et on n'a pas besoin de la considérer si on restreint notre intérêt aux solutions optimales. Pourquoi? Parce que si j'ai une solution réalisable qui a un xi strictement plus grand que 1, ben, je peux ramener la valeur de xi à 1 et ma solution reste réalisable puisque les contraintes ne demandent que du 1. Du coup, comme l'objectif, c'est la somme des xi, ben, l'objectif ne peut que diminuer.
Donc finalement, je me rends compte assez facilement que toutes les solutions optimales respectent cette contrainte, et du coup, je peux l'ignorer, ce qui va me faciliter l'écriture du dual. Alors ce genre de raisonnement, on s'attend à ce que vous soyez capable de le refaire, notamment dans votre étude de cas. Alors, dans le dual, j'ai une variable pour chaque contrainte du primal. Donc ici, une variable par arête. Pour l'arête 1,2, j'ai y1,2, etc. La fonction objective du dual, c'est la combinaison linéaire entre ces variables et les coefficients des membres de droite des contraintes, du membre de droite des contraintes. Alors, comme j'ai que des 1 ici, je vais simplement avoir la somme des y. Ici, j'ai noté ye, petit e désignant une arête du graphe G. Puis on cherche à maximiser, puisque le primal, on était en minimisation. Alors, pour chaque contrainte du dual va correspondre à une variable du primal. Donc, je vais commencer par x1. X1 intervient dans deux contraintes ici. Et dans ces deux contraintes sont associées aux variables duales y1,2 et y1,4. Donc la contrainte dans le dual, si on se souvient, c'est la combinaison linéaire entre ces deux variables et les coefficients devant x1 correspondants. Alors comme ici j'ai que des 1, ben, ma contrainte ça va être la somme, donc y1,2 plus y1,4. Alors c'est inférieur ou égal à 1 ici parce que le coefficient de x1 dans l'objectif vaut 1. Inférieur ou égal, ça vient du fait que j'ai une variable positive et que je suis en minimisation. Donc ça, c'est les règles de construction du dual. Si je suis en minimisation avec une variable positive, alors j'ai un inférieur ou égal pour la contrainte correspondante dans le dual. Alors je peux aussi, ça c'est la contrainte associée à x1, et je peux écrire la contrainte associée à x2. Et cette fois, ça va être y1,2 plus y2,3 plus y2,5. Donc je vais avoir cette contrainte-là. Et puis, si j'écris l'ensemble des contraintes du dual, voilà mon programme linéaire. J'ai écrit en particulier en détail la contrainte associée au sommet 4 pour vous permettre de la vérifier. Alors, je peux écrire aussi les domaines des variables. Ici, pour chaque arête, YE, il faut que YE soit positive. Ça, c'est parce que je suis en minimisation et que j'ai des contraintes supérieures ou égales. Alors, je ne reprends pas toutes les règles de construction automatique du dual ici. Je le fais vraiment comme une machine. Si vous avez besoin de revoir ça, je vous mets aussi le lien vers cette vidéo, toujours la même, qui explique aussi pourquoi on construit le dual de cette façon. Alors maintenant, pour écrire mon dual de façon un peu plus compacte et formelle et générale, voilà comment je pourrais faire. Je me rends compte que j'ai mis une contrainte par sommet, donc pour tout i de v, et que pour chaque sommet, par exemple le sommet 2 ici, j'ai pris l'ensemble des arêtes qui sont incidentes au sommet 2. Et j'ai fait la somme en disant la somme doit être plus petite que 1. Donc c'est la somme des YE telle que E appartient à delta I, où delta I c'est l'ensemble des arêtes incidentes au sommet. Voilà les contraintes que j'ai écrites. Alors pour mieux comprendre ce programme linéaire qu'on a écrit, on pourrait rajouter simplement la contrainte suivante, le fait que YE est toujours inférieur ou égal à 1. On l'avait supprimé ici, et on peut la rajouter là. Alors ça c'est vrai parce qu'effectivement une arête ça appartient à deux sommets pour extrémité, donc le YE va intervenir dans deux contraintes ici. Donc elle sera toujours inférieure ou égale à 1, je peux rajouter ça ne change rien. Du coup, si j'imagine que j'ai écrit la relaxation linéaire ici en nombre entier, je pourrais interpréter YE comme une variable de choix d'arête. Il s'agit alors de trouver le nombre maximum d'arêtes qui ne tel que pour chaque sommet, on en est au plus une qui soit incidente à ce sommet. Donc on cherche le nombre maximum, un ensemble d'arêtes de canalité maximum qui sont disjointes au sens des sommets. Et ça, c'est le problème de couplage maximum. Je peux visualiser à nouveau la solution en rose ici et m'assurer que j'ai bien une seule bulle rose par ligne et que j'avais bien ici une solution réalisable. Alors vous voyez qu'on a écrit le dual ici de façon automatique à partir du primal, et que en cherchant simplement à l'interpréter, à lui donner du sens, on est retombé sur le problème de couplage maximum. Et c'est ce problème de couplage maximum qui nous avait permis de raisonner sur notre exemple. Donc en passant par la programmation linéaire et la théorie de la dualité, on est retombé sur le problème qui nous avait permis de résoudre notre petit exemple. Alors, reprenons ça, résumons ça. Donc, on a le problème de couverture par sommet ici, en nombre entier, et le problème de couplage maximum ici, en nombre entier à nouveau.
On a établi ce problème-là en considérant le dual de la relaxation linéaire de ce problème. Donc on sait qu'on a une relation de dualité entre la relaxation linéaire de ces deux problèmes, et notamment que z étoile RL est égal à w étoile RL. Ça c'est vrai parce qu'on se souvient du théorème de la dualité forte en programmation linéaire. Par ailleurs, comme on cherche à minimiser ici un problème en nombre entier, la valeur optimale entière ne peut être que plus grande que la valeur optimale relâchée. Et de la même façon ici, comme on cherche à maximiser, la valeur optimale entière ne peut être que plus petite que la valeur optimale relâchée. Et on retrouve bien l'inégalité W étoile inférieure ou égale à Z étoile qui nous a permis ici de raisonner au départ sur notre petit exercice. Alors cette inégalité-là, vous l'avez abordée avec Nadia en termes de graphes, donc vous avez pris des notations différentes. Et vous avez noté taux de G pour la cardinalité de maximum d'une couverture par sommet, et nu de G pour la cardinalité maximum du couplage. Pardon, taux de G pour la cardinalité minimum de la couverture par sommet, et nu de G pour la cardinalité maximum d'un couplage. Simplement, ça, ce sont les notations en termes de graphes, et ici, on a retrouvé ces résultats en passant par la programmation linéaire. Voilà. Alors, pour conclure, simplement, je voudrais faire une remarque sur l'exemple qu'on a utilisé. En fait, ce petit graphe-là, je pourrais le réécrire de cette façon. Et me rendre compte, c'est le même graphe, hein, me rendre compte qu'en fait, j'avais un graphe bipartite. Et dans les graphes bipartis, on a un théorème important et fructueux de l'optimisation combinatoire, qui est le théorème de Koenig, qui nous dit que pour tout graphe bipartite, on a en réalité égalité entre le cardinal maximal d'un couplage et le cardinal minimal d'une couverture. Autrement dit, dans nos notations, z étoile égale w étoile. Ça, c'est vrai dans les graphes bipartis. C'est pour ça qu'on a facilement prouvé l'optimalité sur notre exemple, d'ailleurs. Alors, du coup, je vous laisse avec cette question. Est-ce que vous pouvez donner un contre-exemple à cet énoncé dans le cas des graphes non bipartis? Donc, un graphe non biparti avec le moins de sommets possible, tel que les deux valeurs optimales ne soient pas égales. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, et si ça vous intéresse, je vous mets en lien une vidéo qui aborde également cette question. Voilà, bon cours et bonne étude de cas également à nos étudiants en apprentissage.